Bonjour mes téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog. On est lundi 7 mars. J'espère que vous n'entendez pas trop les voitures. J'espère que vous allez bien en ce lundi. Comme vous aurez vu le... J'ai encore plus des traces, mais c'est pas grave. De la semaine passée, j'étais pas trop bien. Et je vais quand même vous le mettre parce qu'il y a des unboxings de livres. Coup, je vous le mettrai quand même, voilà. Mais c'est vrai que j'avais lu un petit peu, mais voilà, pas des masses. Et hier j'ai conclu le vlog la semaine passée, et je vous avais dit dans le vlog passé, si vous avez regardé jusqu'au bout, parce que c'était le dernier rush, que j'ai très très envie de lire. Mon envie de lire est revenue, et du coup ça fait plaisir, voilà. Mon humeur n'est pas encore tout à fait revenue à 100%, mais voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit et essayer de ne pas penser. Ça ira beaucoup mieux samedi, voilà, parce que je vais en parler avec quelqu'un. Du coup, ça va me changer, voilà. Et du coup, hier, j'ai lu, mais pas mal, j'ai lu 80 pages sur ma soirée de 18h à 21h30. Du coup, j'ai pris... Eleanor Gray, ça se lit tout seul. Là, j'ai envie de me plonger dedans, là, jusqu'à 6h. Voilà, j'ai envie de me plonger dedans, mais j'ai envie de monter le vlog. Du coup, voilà, j'ai envie de deux choses. Du coup, je me dis que tant que je monte le vlog et après qu'il explose et tout ça, je pourrais peut-être lire un petit peu. Je suis au chapitre 14, aux 123 pages. J'étais à 45, 40. Un truc comme ça, je peux vous dire, parce que hier, oh, ma souris qui va plus. Encore une fois, je l'ai rentré sur BookNote ou Livre Addict, BookNote, 1, 2, 2, je ne sais plus. Du coup, voilà. Mais je sais que je l'ai rentré, du coup, je sais voir à combien j'étais. Je sais pas si c'est... Ouais, 45 j'étais. Voilà, et je suis à 123, je vais mettre tout de suite comme ça, ça va. Oh. 123, ça fait 28% de la lecture, voilà. Et j'aime beaucoup. Voilà, voilà, et voilà. Du coup, je vais continuer ça. Et faire monter le vlog, bon pas celui-là comme il vient d'autre ouvrir. Je vous prends tard parce qu'il est déjà 3h03, mais aujourd'hui, depuis 8h, et encore maintenant, enfin, je viens juste de m'asseoir, j'ai juste assis pour manger un petit peu. J'ai fait du ménage, et pourtant j'ai encore envie d'en faire, mais je sens que c'est pas le top. J'aimerais bien ici faire tout poussière, parce que là, vous ne voyez pas, mais les poussières derrière, c'est fameux. Voilà, il faut que je ramasse tout ce qui est tombé derrière mon PC aussi, ça serait bien. Voilà, et là je vais monter d'abord le vlog et je ramasserai tout ça demain, parce que là j'ai mal mon épaule ici. Voilà, j'attends que ma deuxième machine sèche, qu'elle se termine, comme ça j'irai mettre à sécher aussi. Je pense que je mettrai plutôt vers 4h, tant qu'elle finisse, parce que je viens de la mettre. Voilà, et voilà, il me restera à faire mon bureau correctement. Je pense que je vais tout retirer, tout nettoyer. Voilà. Je sais pas, je vais voir mon humeur, si ça me tente ou pas. Voilà. Sur ce, moi pour le moment là j'ai plus rien à dire. J'aime beaucoup cette histoire. On va suivre deux personnages, Eleanor Engray, et elle va perdre, enfin sa maman est malade, elle a un cancer, et du coup Gray va un peu se, comment dire, essayer de lui parler, parce qu'en fait lui ça fait un an qu'il a perdu son grand-père. J'ai un poil là dans mon livre et je vais pas l'avoir. Du coup ça fait un an qu'il a perdu son grand-père, et ici c'est quoi la d'être seul, d'être abandonné, voilà, que ça fait mal, et du coup il la sort pour lui changer les idées, voilà. Et du coup j'aime beaucoup, et voilà. Et ils tombent un peu amoureux, ouais, ils se font le premier bisou. Bon, je suis dans les... ouais, c'est un peu... bon, voilà, je vous dirai pas plus, mais un petit bisou. Voilà, mais il y a un truc qui va se passer, je voudrais savoir quoi. Parce que Eleanor,
va déménager avec sa maman et son papa pour ses derniers jours parce qu'elle veut plus faire le... Comment on dit encore? Oh, je sais plus. Je l'ai lu hier, j'ai oublié les mots. Allez. Elle veut plus se soigner en fait. Tout ce qui est soins ne marche pas. Et du coup, on lui a dit que voilà, c'était. Il ne savait plus rien faire. Et du coup, elle va annoncer à sa fille. Et voilà. Et elle décide de partir à la mer. Enfin, la mer, sur une plage. Du coup, voilà. Et j'aime beaucoup et j'espère bien lire ce soir pour vous en parler demain et essayer de terminer très vite. Et je sais pas si vous voyez, non, vous voyez, c'est là, il y a ma nouvelle bibliothèque juste là. Je suis trop contente. Ah, ça c'est mon PC. Voilà. Mais il faut vraiment qu'on déménage, on n'a plus de place et c'est fameux. Voilà. Et j'en ai marre de tout ça. Du coup, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai plus tard. Moi, je vais essayer de faire le montage du vlog de samedi. Comme ça, il sera fait et je serai tranquille. Et demain, il ne me restera pas grand-chose à faire. Parce que demain, j'ai sport. Logiquement, c'est de 10h à 11h. Mais maintenant, il n'a plus d'heure pour aller. Du coup, on peut aller quand on veut. Du coup, mon papa me téléphonera quand il sera prêt. Du coup, il ne faut pas que je me lave tard demain. À 7h debout. Comme ça, je me prépare, je déjeune et quand il m'appellera, on pourra aller et voilà. Mercredi, normalement, je vais à Primark, s'il ne change pas d'avis. Voilà, je prendrai peut-être vous prendre, moi, je sais pas. Ça va me faire du bien de changer d'air. J'avais envie de descendre, mais je vais aller à Primark. Et après, j'irai peut-être bien à... Oh, comment aller... Et moi à la librairie Molière. Voilà. Et là, je vous reprendrai. Je vais essayer. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Bah, j'ai tout ce que j'avais à dire. Je vais juste demander à mon amie si elle n'a pas un livre qu'elle veut. Donc, je vais aller chez Molière. Qu'il lui faudrait, qu'elle ne trouverait pas. Je sais pas. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et je vous reprends plus tard. Et j'ai mes lèvres qui me blessent. Et je vais mettre de la pédra cacao après. Voilà, je vais monter ce vlog et on vous dit plus tard. Voilà, ou à demain. Bisous, bisous, bisous. Bonjour, mes tétisselles, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. J'adore cette bibliothèque. Je reviens dans ce vlog. On est mardi. On est le mardi combien? 8 mars. Et je reviens dans ce vlog. Je viens de finir de manger et je viens de... Je suis revenue du sport, j'ai mangé, voilà. Et j'ai mal la poitrine, là, ici. Parce que j'ai fait les bras, hop, voilà. Je ne vais pas vous montrer, mais voilà. J'ai fait les bras, j'ai fait les abdos, j'ai fait les jambes. J'ai mal l'entrejambe. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. J'ai fait l'entre de mes jambes, j'ai un mal partout, j'ai... voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais me reposer, enfin me reposer, je vais me reposer le corps, mais je vais continuer ma lecture que j'aime beaucoup. J'ai bien avancé, je suis là, j'ai lu tout ça déjà, il me reste ça. Voilà, je suis à 194 pages, je suis au chapitre je sais plus combien parce que j'ai lu au matin avant de partir au sport. Et je suis arrêtée en plein milieu du chapitre 26. J'ai en plein milieu du chapitre 26, je vais continuer. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense qu'il part pour un coup de cœur. Voilà, c'est une histoire assez... je m'attendais pas à ça en fait. Voilà, je pensais pas du tout à ça. Du coup, on va suivre Eleanor Engrais. Et Engrais. Et on les suit au tout début, ils sont de leur enfance. Voilà. Qui se sont très très très, enfin devenus amis, qui sont là l'un pour l'autre, il va se passer un truc pour Eleanor, et Grey va être là à tout moment, et ils vont perdre un peu, comment dire, perdre de vue, du coup voilà, et ils vont se retrouver, je sais pas combien de temps après, je sais plus, il était marqué tantôt, je l'ai lu, mais je ne sais plus, autant de temps après.
16 ans, 16 ans, 20 ans, je sais plus. Enfin, soit autant de temps. Elle va, je sais pas trop vous dire, elle va postuler pour devenir babysitter pour deux jeunes filles. Et en fait, c'est Gray qui a eu deux enfants, qui vient de perdre sa femme, et du coup, elle va arriver pour faire le babysitting. C'était juste là. Et mon cousin, il s'est déshabillé. Enfin, le cousin de monsieur s'est déshabillé. Je le rhabillerai après. Et du coup, elle venait d'arriver dans la famille. Voilà. Et du coup, là, je vais continuer. J'aimerais bien le finir assez vite. Voilà. Voilà. Comme ça, il me restera deux à lire. Et après, j'ai tout ça encore à lire. Là, c'est mes mangas. Là, c'est mes romans. Et j'ai fait un peu. Voilà. Là, c'est. Ils sont ma partie de mes Hugo. Là, il y a une partie d'Hugo. Ils sont là. Là, une partie Hugo. Il y en a tout plein que je dois lire. Oh, tout ça, je dois lire. Voilà. Celui-là qui me tente beaucoup. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Celui-là qu'à côté aussi. Enfin, il y en a plein qui me tentent là maintenant. Et je suis en train de réfléchir parce que je vois que faut que je regarde. Tout le monde est en train de préparer la pâle du printemps. Du coup, je me dis que je ferais bien la pâle du printemps en faisant en comptant combien de semaines de printemps. Juste le printemps? Je sais pas, non, l'été, non, je vais attendre l'été, je sais pas, j'hésite. Enfin, non, je sais pas, pile par mois, c'est peut-être mieux pour vous. Enfin, voilà. Du coup, voilà. Je voudrais bien terminer celui-ci pas trop tard, enfin, trop. Pas dans trop longtemps. Comme ça, après, je commence les deux, enfin, un des deux qui me reste. Et puis, je pourrai lire ce que je veux dans ma bibliothèque. Voilà, parce que j'ai encore cendre. La cendre est. Non, le sang et de la cendre a terminé, que je suis à mon chapitre. Et un palais d'épines et de roses, que là je crois que je suis au 25 chapitres, qu'il faut que je termine absolument ces deux lectures. Du coup, voilà. Du coup, je pense terminer ça, puis m'entamer peut-être le palais d'épines et de roses, le terminer, ce serait bouclé. Ça fait depuis décembre qu'il est en route. Voilà. Et il serait bouclé, il faudrait que je lise le deuxième tome qui est dans ma palle, il faudrait que je me procure le tome 3. Mais ça vient pas à 2 ou 3 jours. Et puis va ben, finir la cendre et le. Non, sang et de la cendre, je sais plus le titre, enfin soit. De Jennifer Allan Trout. Voilà. Et après, il faudrait que je termine tout ça. Voilà. Du coup, voilà, j'ai pas trop de. Vous parler, j'ai bien lu hier. Aujourd'hui, j'ai un petit peu lu au matin. Là, je voudrais bien terminer. Aujourd'hui, on est le 8 et c'est la journée mondiale de la femme. Du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé que c'était monsieur qui allait faire à manger. Bon, c'est rien de spécial. J'ai sorti c'est du poulet mariné. Non, pas mariné. Oh, je sais pas comment. La chapelure. Et je lui ferai. Je lui ferai parce que ça, voilà, il va faire ça. Et je ferai de la salade avec. Du coup, voilà. Et des patates. Voilà. Voilà, je suis claquée. Le sport m'a épuisée. Ça m'a fait du bien. Je me suis bien donnée. Pour une fois, ça faisait du bien. Voilà. Et comme maintenant, c'est sans masque, on peut aller quand on veut. 24 heures sur 24. Et je pense aller bientôt plus. Voilà. Ici, je vais aller. On n'a pas parlé si on allait jeudi, par contre. Enfin, ça souhaite. Et du coup, je verrai bien si demain j'ai le courage. Peut-être aller un petit peu au matin. Voilà. Et jeudi. Voilà. Et peut-être le week-end, je sais pas, on va voir. Voilà. Et il faut que je regarde si la vidéo s'est mise pour vous la mettre pour samedi. Enfin, le vlog. Voir si ça a été téléchargé sur YouTube. Pour vous le préparer pour samedi. Parce que samedi matin, je ne suis pas là. Voilà, il faut que je pense à le dire à mademoiselle. Voilà, et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous reprendrai plus tard parce que là j'ai envie de me replonger dans cette lecture. J'ai envie de le terminer là sur place. Voilà, il est, je sais pas quelle heure. Il est. Bon, je vais arrondir, il est midi 55. J'aimerais bien le terminer jusqu'à 3 h. Vous croyez que je suis capable de lire ça? Je sais pas combien de pages. Tout ça? Jusque 3 heures? Ou même 4? Bon, on va essayer. On va essayer d'avancer aujourd'hui.
Aujourd'hui, j'ai envie de faire de repos. J'ai beaucoup bien travaillé hier. J'ai fait ma bibliothèque. J'ai fait plein de ménage. J'ai qu'à sortir la miss. Je la sortirai vers 2-3 heures. Voilà, j'attends un colis. J'attends des écouteurs qu'on met derrière l'oreille. Voilà, qui rentrent dans l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les écouteurs que j'ai, je les paume à chaque fois. Du coup, voilà, il faut que. Et ça se recharge pas bien. J'espère que là, ils vont aller mieux. Voilà. J'ai pris des écouteurs gaming. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Ils vont arriver normalement. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Peut-être à tôt. Voilà, je vous reprendrai peut-être si j'avance très très bien. Allez, je vous laisse. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog, on est mardi, vous aurez vu quelques plans d'un magasin de peluches que j'ai été à Primark. J'étais chez Action, Primark et Molière, mais je vous ai pas trop filmé, j'avais pas envie, j'ai profité d'être avec mon papa et puis il y avait du monde quand même, du coup voilà. Mais dans le magasin de peluches, il n'y avait personne, du coup je voulais filmer et du coup voilà. Et du coup je reviens dans ce vlog, j'ai acheté plein de choses, que j'ai fait un haul que vous verrez bientôt, je vais essayer de le monter très vite, voilà. Et du coup je voulais vous parler d'un truc, j'allais chez Molière à la base pour trouver un livre sur la petite enfance et j'ai trouvé un livre qui a l'air vraiment pas mal, c'est celui-ci. Je sais pas si quelqu'un connaît, c'est le guide très parti Patrick. Je ne sais plus parler aujourd'hui, je fais que parler. J'ai fait J'ai fait deux vidéos plus vous. Ben voilà, ça fait trois quand. Enfin, petite reprise. Et j'ai acheté ce rouge à lèvres qui donne vraiment bien. En fait, c'est un rouge à lèvres tout rose, tout pâle, un rose pâle. Et quand vous le mettez sur vos lèvres, il prend la couleur de vos lèvres et ça donne un peu plus fort. Je trouve que c'est joli. C'est mood, 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 mood. Je ne sais jamais le dire. Du coup, c'est un guide très pratique pour les profs de la petite enfance. 17 fiches pour affronter toutes les situations. Voilà, de chez Dumont. Dumont, Dudon, je ne sais pas, je ne connais pas. Éloise Nuzy. Il a l'air vraiment trop bien. J'ai un peu feuilleté dans le magasin. Et mon papa l'a lu.
a pas mal de trucs. Enfin, il n'a pas allumé, il a une partie. Puis je trouvais très intéressant, il y a des petits dessins dedans. Enfin, des petites bulles de réaction, beaucoup d'écrits quand même. Voilà. Et il y a des petits dessins de temps en temps. Voilà. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, là, il y en a une. Celle que je tombe tout le temps dessus, à chaque fois je le prends. Voilà, et il y a beaucoup de blabla quand même. Et c'est tout couleur bleu, c'est ça que j'aime bien aussi. Comme j'aime bien le bleu, ça tombe bien. Voilà, vous voyez, il y a plein de petits trucs que je voudrais bien me plonger dedans avec le gros bébé. Il faudra que je me mette, je pense après je vais étudier un petit peu une heure. Je sais pas, j'hésite avec ça. Mais ça, j'ai vraiment pas envie de le lâcher. J'ai l'impression d'avoir dépassé mes lèvres. En plus, j'ai mes lèvres un peu exercées. Voilà, je suis avancée. Je suis à 264 pages. Et je suis fan de ce bouquin. J'ai vraiment pas envie de le lâcher. Je vous promets, j'ai vraiment pas envie de le lâcher. Mais pourtant, voilà. Tantôt, j'étais en plein... Enfin, au matin, j'ai lu un peu avant de partir. Et du coup, je venais de commencer le chapitre 36. Et au moment où je tourne la page, j'ai mon Parkinson. Du coup, voilà. Je venais d'ouvrir la page. Voilà. Du coup, je suis à la page 264 de Eleanor and Gray chez Hugo de Brittany Destiri. En plus, elle a sorti de nouveau, mais je pense que je vais les attendre en poche. Je ne sais pas les titres. Je ne me souviens pas des titres. Je les ai vus chez Molière, mais je ne les ai pas pris. Voilà. Du coup, voilà. J'ai pris. Enfin, j'ai pris. J'ai pris quoi? 4 livres. Et celui-là, c'est mon papa qui me l'a offert. Ouais, il est trop beau, j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si je lis un petit peu ou je fais ça demain, je pense, après boulot, après le sport. Oui, je pense que demain. Enfin, demain, je dois nettoyer. Absolument. Et après, je ferai peut-être un peu d'étude. Voilà. Mais là, j'ai envie de me plonger. Il est 3h15. Mon monsieur finit à 3h30. Et. À 4h il est là, du coup je pense un peu étudier. Du coup je suis rentrée d'avoir fait primaire, crive gauche et Action. Au début j'ai acheté deux pantalons chez Action. Primark, j'ai acheté deux paires de chaussures, les mêmes et de couleurs différentes. Acheté ce rouge à lèvres là. Deux rouges à lèvres, un mauve et un rouge pour mon ami. J'ai pris un rouge pour moi parce que le mien commence aussi, voilà. Je me suis des pantoufles et c'est tout. Et puis j'ai acheté 4 livres, voilà. J'étais raisonnable pour une fois. Pas en livres comme d'hab, mais voilà. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. À part que j'ai eu une belle frayeur hier soir. Enfin ce matin. Plutôt ce matin. Enfin, c'est compliqué à vous dire, mais voilà. Ce matin, mon papa m'a dit que ma mamie était tombée hier et que voilà, elle s'est fait quand même mal. Du coup, voilà, je vais attendre monsieur et je vais aller la voir. Voilà, j'ai besoin de me rassurer. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait. Et après, je vais rentrer faire à manger. J'avais dit que j'allais faire les. J'ai envie de lire et je dois faire les. Oh! Je ne sais plus le nom. Poivron. Oh, je ferai ça quand je reviendrai. Ouais, je ferai ça quand je rentre. J'ai vraiment pas envie de les faire là. Maintenant, j'ai envie de lire. Voilà. Ou je les fais maintenant et je suis tranquille. Je ne sais pas. Si monsieur les couille. Si je les couille un petit peu et qu'il finit à me faire manger. Ce serait le top. Je vais faire vite ça. Ça va pas prendre longtemps. Du coup, je vais essayer de bouger mon chat parce qu'il est sur la chaise. Voilà. Sur ce, ben, j'ai rien d'autre à vous dire. Il faut que je fasse aussi... mes poils de mon visage. Là, j'ai toujours 3-4 poils qui poussent. Ça fait noir, mais j'ai que 3-4 poils. Hein. Voilà, mais voilà, faut que je fasse ça. Voilà, je suis fatiguée. Je suis. Aujourd'hui, je suis chaotique. Je sais pas, j'ai bien marché. Je sais pas ce que, comme on a fait, mais voilà. J'ai gardé un coup de peau. J'irai bien me coucher là maintenant, mais c'est pas le but. Voilà. Du coup, je vais vous laisser. J'ai pas grand chose. Il faudra aller voir dans la vidéo qui sortira de l'Hall Action Primark et Molière.
Voilà, la librairie Molière. Voilà, pour voir ce que j'ai acheté. J'ai reçu, enfin voilà, j'ai tourné le haul de ça. J'ai reçu ma box de livres du petit colis. Petit colis de colibri. Voilà, je l'ai reçu, je l'ai fait directement, comme ça c'est fait, je suis tranquille. Un peu déçu, j'ai un livre en double. Pas grave, on va le mettre en vente. Discrétion. Voilà, il partira, je suis sûre qu'il partira vite. Voilà, c'est de Eugénie Dylan, je crois, un truc comme ça. Du coup, voilà, je sais qu'il va partir assez vite. Voilà. Bah, sur ce, je n'ai plus rien à vous dire et je vous reprendrai plus tard. Demain, c'est sport. On est quel jour aujourd'hui? Mardi seulement. On a dit qu'on n'allait pas jeudi. Je sais plus quoi avec mon père. Il me dit mercredi. On est mardi, c'est demain. Je ne sais plus quand je vis. On est mercredi ou on est mardi? Je ne sais plus. Pour moi, on est mardi. On est mardi? On est le 9. Je ne sais plus comment je vis. Je pense qu'on est mardi. Je reviens, je vais vous dire ça tout de suite. Je t'ai voir au calendrier, on est mercredi. Non, je l'ai pas pris. Ah si. Je croyais que j'avais pas appuyé sur le bouton. On est bien mercredi 9 février. Février. Mars. Je suis perdue moi dans les jours, les ouest. Voilà, pour le moment, je n'enchaîne le boulot à la. Le boulot. Je vais aller dormir. Le boulot à la maison, du coup, voilà, je suis un peu à l'ouest, fatiguée. Mais après ça, tout va bien. Oh. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et je vous reprendrai demain. Bisous, bisous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi 10. Ouais, jeudi 10. Je reviens par ici, vous faire un coucou. Voilà, j'ai mal partout. J'étais au sport. Je n'ai toujours pas été lavée. Je suis toujours en habit. Parce que je suis rentrée. J'ai traité vite mes mails. J'ai envoyé quelques mails et j'ai nettoyé. Et me voilà. Et je viens de me dire qu'il est 2h et je ne vous avais pas encore repris. 2h10 qu'il est exactement. Et je me suis dit que j'allais vous reprendre parce que j'ai bien avancé hier. Je suis à 300. À 303 pages. Au chapitre 21. 41. Voilà. J'aime beaucoup cette histoire, je suis accrochée. Là, j'ai un coup de mou, mais je vais essayer de me mettre à bouquiner. Là, je vais m'installer dans le fauteuil. J'ai froid, par contre, j'arrive à chercher mon gilet. Vraiment froid, mais c'est pas parce que j'ai. Il fait bon, il y a du soleil, il fait super bon. C'est froid de fatigue en fait. C'est juste, j'ai un coup de fatigue. Ça fait 2 jours que j'ai. Le sport me tue pour le moment. Voilà. Du coup, je voulais vous revenir dans cette lecture. J'aime beaucoup. J'aimerais bien essayer de le terminer aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, je pense pas, mais bien avancer aujourd'hui et le finir demain. Comme ça, je recommencerai avec une autre lecture. Il me reste ces deux-là à lire pour le défi de Mariette. Voilà. Il faudra choisir ma lecture. Voilà. Je sais pas si je l'aurais déjà commencé ou pas. Mais on sait jamais, dites-moi dans le commentaire lequel que je vais commencer. Je pense que je vais commencer par celui-là, je suis pas sûre, voilà. Parce que je sais bien que ça, j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup le format pour le tenir dans les mains et tout ça. J'aime bien l'écriture de poche de chez Hugo. Du coup je me dis qu'il passerait peut-être plus vite que celui-là et c'est plus lourd, c'est plus... Puis maintenant chez Hugo c'est quand même écrit assez gros, voilà. Je me dis qu'il y a moyen de. Voilà. Je ne sais pas encore lequel que je vais commencer. Je verrai de mon humeur. Voilà, mais j'aimerais bien avancer dans celui-là. Voilà. J'ai lu un petit peu ce matin. Je suis en plein milieu d'un chapitre. Je ne vous ai pas dit parce que je vous ai dit ce que j'étais hier.
Mais ce matin, j'ai lu, je suis à 320 pages. Là, je vais continuer à lire. J'ai lu un petit peu ce matin en entendant mon papa, voilà, qu'il arrive me chercher. Est-ce que j'allais rendez-vous? J'ai rendez-vous. On allait au sport pour 9h et. Oh, excusez-moi, mais. Et du coup, je me suis mis une petite demi-heure, trois quarts d'heure dans le fauteuil pour assis dans le fauteuil pour lire en entendant. Voilà, du coup, là, je vais continuer et je vais essayer d'avancer. Je sais pas combien il me reste. Il fait 425, 30, oh, quand même. 41. Il me reste 120 pages. Ouais, 120 pages qu'il me reste à faire. J'aimerais bien bien l'avancer aujourd'hui et bien terminer demain. J'ai mon marque-page qui se. Voilà, bien avancer et essayer de le finir demain, ce serait le top. Comme ça, je l'aurais lu en une semaine, celui-ci. Et voilà, mais j'aime beaucoup et je vous reviendrai vous en parler un peu plus. À part ça, je n'ai pas grand-chose. Je crois, je sais pas si je vous l'avais montré, moi, mon autre livre. Enfin, j'ai reçu en cadeau par mon papa celui-ci. Je sais pas si je vous ai montré hier. Qu'il faudra que je me mette à fond dedans. Du coup, c'est le guide très particulier. Pratique, particulier. Le guide très pratique pour les profs et de la petite enfance. 27 fiches pour apprendre toutes les situations. C'est un deuxième édition. Préface de Catherine Gounod, de Héloïse Junier. Voilà. J'ai du nom, je sais pas comment ça se dit, voilà. Voilà, il vaut chez Molière 19,90. Voilà, et j'aimais bien parce que ça se présente comme ceci. Vous avez des petites, ouais. Petits chapitres et avec beaucoup dedans, mais voilà. Il ne s'arrête pas de mort, pourquoi? Et il y a plein de petits détails. Ça fait quelques pages quand même, vous voyez, ça fait. Vous avez celle-ci, puis vous avez le derrière, voilà, plein de petites explications. Vous en avez encore. Vous avez plusieurs explications et ça, j'aime beaucoup. Bon, maintenant, il faut pas tout prendre non plus à la légère, mais voilà. Il peut rien manger. Voilà pourquoi. Pourquoi un enfant peut-il refuser de manger? Voilà, plein de petites choses qui a l'air vraiment pas mal. Il a l'air, voilà, un peu complet. Voilà, du coup, je vais essayer de m'y mettre. Mais je pense que si j'ai l'occasion demain, je vais peut-être étudier à une petite heure. Voilà, quand je rentre. Demain, j'ai sport. Enfin, sport. Pff. Je vais chez ma tontine, lui donner un coup de main. Et après, j'aimerais bien rentrer et étudier un petit peu ce livre. Et puis, je ne sais pas si je vous avais montré, mais il y avait des petits dessins dedans. Voilà. Et j'ai l'autre aussi que je peux vous prendre. Attendez, je reviens. Je vais le chercher. Du coup, je reviens, j'ai montré. Celui-ci, c'était un plus petit, vous voyez. L'autre, c'était un pavé, il est lourd. J'ai travaillé mes épaules, bras, voilà, pour muscler ici. Et l'autre, c'était un pavé. Vous l'avez déjà vu, je crois. C'était un gros pavé. Et du coup, je vais. Voilà, c'est le guide de péricultrice. Prends soin de l'enfant et de la naissance à l'adolescence. Le cinquième saison. Voilà. Par contre, la maison d'édition, je sais pas. Voilà. Il est comme ceci. C'est un gros bazar. Voilà. Il a l'air aussi bien détaillé. Il se présente comme ceci. Et je pense qu'avec les deux, ça va me compléter à peu près les choses. Et voilà. Parce que dans celui-ci, il y a des formules un peu bizarres. Voilà. Je vais essayer d'étudier tout ça. Ça fait quand même pas mal. Parce que celui-là, il fait quand même pas mal de pages. 1125. Voilà. Voilà, vous avez vraiment les petits chapitres. Je vais essayer de me mettre à ça. Et alors mettre des petits post-it ça, ou des trucs que je dois pas oublier, les trucs très importants. Voilà, garder aussi les trucs dedans. Il faut que je monte une fois Mariette. À quel âge les deux dents. Voilà. Ça, il faudra que j'étudie parce que ça c'est important. Les morsures, les mains, regardez les os si vous avez, je sais pas si vous allez bien voir les formats de mains. Voilà, à 6 ans, à 7 ans en adulte. Ah ouais,
sais pas si je vais savoir vous montrer. Hop, où je ferai un close-up. Je vais essayer, j'y penserai. Ah, si on voit quand même. Voilà les mains. Là, c'était à 1 an. Là, c'est à 3 ans. Là, c'est à 6 ans. Et le dernier, c'est à un adulte. Voilà. Il est trop... il a l'air bien aussi. Il faudra vraiment que je le feuille un peu plus. Voilà. Mais il fait un sacré pavé, quoi. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, je vais faire... si je ne réussis pas ma formation, je ne sais pas ce que je dois faire. Voilà. Je vais essayer de d'évoluer dans tout ça parce que c'est ce que je veux travailler. Voilà. Voilà. Du coup, ben, mes gros. Je les dépose, mais voilà les gros bébés que je vais étudier. Voilà, parce que j'aimerais bien reprendre la formation au mois de septembre. Bon, j'ai encore le temps. C'est pour ça que je me vais commencer à étudier et pour être. Au taquet, voilà. Maintenant, je croisais les doigts pour moi. Voilà, parce que la motivation n'est pas toujours à 100%. Voilà, mais voilà, ça va aller. Bon, maintenant, je pense que je vais arrêter de vous embêter. Je vais aller bouquiner et il faut pas que je dorme. Allez. Je vous laisse. Et logiquement, vous aurez eu un petit passage de moi en train de faire du sport. J'ai filmé un tout petit peu. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. En fait, depuis le 7. Ouais, le 7. Lundi 7, je pense. Ouais, c'est ça. Le lundi 7, on n'a plus besoin de nos passes sanitaires. Et on ne doit plus prendre rendez-vous non plus au sport. On peut aller 24 heures sur 27. Du coup, il y a beaucoup de monde. On reconnaît les habitués, on reconnaît ceux qui étaient là pendant le pass sanitaire et ceux qu'on reconnaît pas. Parce que voilà, c'est ceux qui n'ont fait pas le pass sanitaire. Du coup, voilà. On doit toujours faire attention, on doit toujours nettoyer nos appareils qu'on utilise, comme le vélo, tout ce que vous utilisez, quoi. Voilà, les appareils, il faut désinfecter. Mais tout le monde est en train de continuer à faire ce qu'il faut. Voilà. Et bon, comme d'habitude, il faut regarder notre distance. Mais voilà, c'est pas... On n'est plus... On est... Et les gens sont plus... Je trouve que pour le moment, les gens commencent à reprendre comme avant. À discuter un peu plus. On est moins à... Enfin, garder notre distance. Mais voilà, on n'est plus... Ça fait du bien de voir d'autres personnes. Et de... Voilà. Parce que certains, ceux qui n'ont pas été vaccinés, ça a été un peu plus plus dur pour eux. Parce que plus de resto, plus... Vraiment plus rien, du coup, voilà. Et puis, sans masque, c'est le bonheur. J'étais hier à Primark, mais c'est le bonheur. Ça fait drôle. C'est comme... C'est pas méchant, hein, mais comme on portait le masque, on voyait la base des yeux. La dame du sport, quand je voyais ses yeux, je la trouvais très jolie. Ah, c'est une belle personne. Moi, j'aimais bien avec le masque. Ouais, je la trouvais jolie. Et elle a retiré son masque. Ben, je ne pensais pas ça du tout d'elle. Je pensais quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment une autre personne pour moi. C'est vraiment... voilà, je sais pas comment m'exprimer. Je veux pas que... si on sait jamais, elle tomberait par ici... qu'elle prend mal, mais c'est pas que voilà, quand vous voyez les yeux, mais comme moi, vous voyez les yeux, vous pensez peut-être pas que je ressens pas ça en dessous, quoi. Vous voyez, c'est ce que je voulais dire. Ça donne autre chose avec le masque et sans le masque. Et du coup, on est un peu surpris et ça fait drôle. Hier, je vous dis, aller à Primark, mais ça me fait drôle de voir la tête des gens, leur sourire, leur le petit mimique qu'on peut avoir. Non, je veux pas ça. Et que d'habitude, on a le masque, et du coup... Et même mon père, en sortant l'auto, il faut prendre le masque. Je dis, moi, j'ai avec moi, on sait jamais qu'il le faut. Comme maintenant, il ne faut pas le masque, mais voilà. Moi, j'ai toujours avec moi, j'en ai un dans ma poche. Comme ça, je suis sûre que s'il en faut, je l'ai, quoi. Et du coup, j'étais vraiment paumée. C'est drôle, quoi. Je sais pas, ça fait bizarre. Après 2 ans et... Ouais, j'aurais même dit 3, parce que c'était quand, février. Ouais, c'est début mars, je pense. Enfin, février, début mars. On a commencé, du coup, voilà, ça va faire 3 ans presque. Ça fait drôle, les gens sans masque.
Voilà. Je vais arrêter de blablater. Heureusement, ce vlog va être très long. Alors, je vous reprendrai demain. Je vous reprendrai certainement du week-end aussi. Je sais pas quand, mais logiquement, je vais aller au sport du week-end. J'ai un animal qui a faim. Un petit fufu. Je vais aller lui donner à manger et je vais bouquiner et aller au sport. Je vous reprendrai du week-end et je conclurai le vlog dimanche. Voilà, je ne sais pas quand, dans l'après-midi ou de la soirée. J'arrive, Fouinette. Et voilà. Et j'ai attrapé un bouton. J'espère que c'est pas mes règles qui arrivent. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain. Voilà, avec une meilleure mine. Ça, c'est autre chose. Avec plus de mal partout parce que j'aurais nettoyé. Enfin, j'ai mal mes épaules. Hier, monsieur m'a massé. Il a mis du produit, ça m'a fait du bien. Mais là, j'attrape mal. Je vais demander qu'il me remette ce soir. Avant d'aller coucher, je vais aller prendre une douche. Et je me demanderai qu'il m'en mette. C'est pour ça que j'attends d'aller avant de prendre une douche. Comme ça, il m'en mettra directement après. Parce que je vais faire couler l'eau avec le jet spécial maçon, là. Et comme ça, bah, après, je lui demanderai de me mettre vite le produit. Comme ça, ça fera effet. Et voilà. Bon, sur ce, j'arrête de le dire. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bisous, bisous. Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est, j'allais dire samedi, mais non, on est vendredi. 11 novembre. Et je reviens dans ce vlog pour vous refaire. Je suis toujours dans ma lecture. J'ai pris ma douche et je suis dans mon lit. Voilà, je viens de finir mes deux petites séries. C'est rien, Zozo. Et du coup, je voulais vous en parler. J'avance bien. Je suis à 384. J'avance bien. Je suis presque finie. Regardez. Toulou, il me reste ça. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Je suis pas sûre parce que j'ai un coup de fatigue. Je vous ai pas pris plus tôt parce que j'ai étudié cet après-midi. Du coup, voilà. J'ai étudié le livre que je vous ai présenté dans ce vlog. Je pense que je vous l'ai montré. Je sais pas, je vais vous montrer si vous voulez sur la petite enfance. Et après, j'étais chez Molaire. Et j'ai pris un gros bébé. Je crois qu'un voleur peut se faire très mal avec celui-là. Ceci. C'est un gros bébé. C'est pas qu'il est gros, mais il est lourd en fait. C'est sur le corps humain. Plus ou moins dedans. Voilà. Ouais, ça c'est la jambe. Bien sûr, là c'est une partie. Il n'y a rien. La tête. Vous voyez, vous avez même les dessins. Enfin, les dessins. Les on dit les radios des médecins. Du coup, vous avez tout ce qui est genou aussi. Vraiment plein. Voilà, regardez. Hop. Vous avez vraiment plein de choses. La colonne, l'estomac. L'estomac, c'est ce que je voulais aussi regarder. Bon, ça je vais pas montrer parce que moi je vais me faire craquer ma vidéo. Bien sûr, le torse, vous voyez les. Là, je vous montre pas parce que c'est la poitrine, on la voit bien du coup. Voilà, les poumons, même déjà là, je crois qu'on le voit fort, les poumons. Mais il est très lourd. Du coup, je vais. J'ai déjà un peu feuilleté. Mais. Voilà. Et j'avais mal dans la colonne et je me suis dit que voilà, hop, pour savoir un peu plus, voilà. Du coup j'ai déjà feuilleté parce que j'ai été le chercher après-midi, du coup voilà, mais je n'ai pas encore vraiment arrangé, j'ai une tête pas possible, mes cheveux sont, faut vraiment que je les fasse, j'ai juste pris ma douche et j'ai pas brossé mes cheveux là du tout, mais là le but c'est de terminer ça pour en commencer une demain, voilà. Demain matin, je ne suis pas là, mais après-midi, je pense que je bouquinerai et je vous reprendrai. Voilà. Demain, ça va être fatigant pour moi, parce que je vais travailler physiquement dans mon corps. Voilà. Je vais parler à quelqu'un, c'est tout. Voilà, du coup, j'aimerais terminer ça. Et voilà. Et commencer un autre pour samedi. Samedi après-midi, j'aimerais bien commencer un nouveau. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis fatiguée. Je n'ai pas regardé de film.
Enfin, si, pour le moment, je regarde sur Disney Plus, mais je ne sais plus le nom de la série. C'est en rapport avec les pompiers, mais qui sont en rapport avec. Comment c'est encore? Grey's Anatomy. Voilà, je ne sais plus le nom de la série. La station 19, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, la station 19 sur. Disney Plus, et alors il y a un autre film que je voudrais vous en parler, mais je vais. Mes cheveux ne veulent plus me respecter. Je ne sais plus le titre, du coup, je vais regarder et, pour demain. Je vais vous en parler de la série que j'ai regardée. J'ai beaucoup aimé, mais je vous avais dit, depuis que j'ai regardé. C'est quoi ce papy? J'ai plus trop regardé de films. Ici, j'aimerais bien regarder les deux dessins, enfin, ouais, deux dessins animés qui sont sortis. C'est Alerte Rouge. Mais ça, c'est sur Disney+. Et l'autre, je ne sais plus le nom. J'aimerais bien me les faire peut-être dimanche après-midi. Peut-être, je ne sais pas. Ou en soirée, peut-être bien. Voir avec monsieur. Voilà. Mais je reprendrai certainement demain. Voilà, je vous aurai peut-être des petites apparitions de paysages. Ça dépend le temps qu'il nous fait. Voilà. Mais et je vous tiendrai de ma lecture aussi. De toute façon, j'espère de terminer et de vous en dire. Mais pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup les personnages. Il y a un truc qui me chagrine, mais voilà. Pas plus que ça, mais c'est un petit détail de caca au boudin. En fait, à un moment, Eleanor, elle a un problème avec sa voiture. On n'en parle plus maintenant de sa voiture. Du coup, voilà. J'aime beaucoup l'histoire. J'ai un petit truc qui me chagrine aussi, mais c'est un peu normal, je comprends l'histoire, mais voilà, c'est pas vraiment un truc qui doit me chagriner pourtant. Mais j'ai vraiment pas envie de le lâcher. Là, je vais pas traîner à les retourner. J'aime beaucoup l'écriture, ça se lit tout seul. Je l'ai dévoré depuis lundi. Vous voyez où j'en suis depuis lundi? Je l'ai dévoré, j'aime beaucoup. Il y a une nouvelle qui est sortie en plus, Britannique de Cherry. Et je vais les attendre en poche. Je vais pas les prendre en grand format, je vais attendre en poche, je préfère. Voilà, il y a le tome 1 qui est sorti, je crois, le mois prochain, le tome 2. Du coup, dans un an, ils sortiront. Moi, du coup, je me dis que dans un an, je me les prendrai. Et voilà. Là, j'en ai assez à lire pour le moment. Mais j'aime beaucoup cette autrice. Je crois que c'est le deuxième ou troisième livre que je lis d'elle et c'est vraiment un coup de cœur à chaque fois. Et il est pas loin d'un coup de cœur. Voilà. Maintenant, je vais voir comment on va se finir parce qu'il y a un petit truc qui vient de se passer qui m'a un peu chagrinée. Voilà. Mais je vais pas vous en parler parce qu'il faut le lire. Bon, c'est vraiment dans les fins de page. Voilà. Je suis vraiment à la fin des pages. Mais voilà. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. J'aurais bien voulu l'avoir fini cet après-midi. Mais je me suis dit que j'allais étudier un peu. Et du coup, j'ai étudié de 1h30, je pense, à 4h. Du coup, je me dis que là, maintenant, ça suffit. Je vais reposer mon cerveau et mon poignet, parce que les bouquins sont lourds hein, quand même, les deux autres là que je vous ai montrés. Puis celui-là, mon poignet, il va me lâcher. Surtout que j'ai déjà eu des problèmes au poignet, du coup, voilà. Voilà, maintenant, je me suis pris à boire mon petit livre et on va bouquiner. Mais déjà, vous êtes sur mes chats. Enfin, presque sur un, l'autre est à côté. Monsieur Woody et Madame Zoé. Du coup, ils sont tous les deux près de moi et je vais me mettre à mon aise et lire, finir. Voilà. Et demain, je me lève tôt, c'est ça le problème. Pourtant, j'ai trop envie de le terminer. On va essayer de le terminer avant 23h quand même. J'aimerais bien 2h et 22h, j'allais dire. 22h30, finir au max pour moi et replier. Parce que demain, on va se lever quand même à 7h. 6h30, 7h, je ne sais plus. Voilà. Du coup, ça m'a encore piqué. Tous les jours, j'étais levée à 6h30, 7h. Enfin, à 7h, j'étais sortie du lit, ça c'est sûr. Mais monsieur se lève à 6h. Du coup, je suis un peu réveillée quand même. Voilà. Mais tous les jours, à part voilà, lundi. Je pense lundi, il n'y a que lundi, je me suis levée tard. Mais voilà. Ça rattrape du samedi, quoi. Ouais, on va dire que ça fait une semaine, quoi. Dimanche, on va pas se lever tard non plus. Un peu plus tard, mais pas trop tard. Parce que je dois être à 10h à la Louvière. Je vais faire du sport avec Madame Mariette. S'il n'y a pas trop de monde, je vous ferai. Je la filmerai en cachette. Non, je rigole, elle sait bien. Je la filmerai et voilà. Et je me filmerai aussi, voilà. Pour nous voir. Voilà.
Et je retourne mardi au sport. Dimanche, mardi, jeudi. Waouh, ça va être dur. Mais aujourd'hui, j'ai plus mal mes épaules. Du coup, je suis contente. Je pourrais refaire un peu mes exercices. Il y a un truc qui grince. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Mais du coup, je vais bouquiner. Je vous laisse. J'en ai marre de parler. Et mon beau cadre, là, il est trop beau. Ça, par contre, j'aime pas. Faut que je retire. C'est monsieur. Mettra notre carte à la place, ce sera mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Et je vous souhaite une bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo, bonne journée, bonne soirée. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous reprends demain. Voilà. Ce sera l'avant-dernier jour du vlog. Bonjour Mathilde, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est dimanche 20. Non, pas 20. Ah non, j'allais dire 13. 13 mars. Ça va vite. Je viens pour faire un dernier point sur mes lectures et couper ce vlog pour le monter demain. Demain ou mardi, je sais pas quand. Peut-être demain après le sport. Voilà. Et j'ai un peu rangé mon bureau. Et là, j'hésite si je lis ou je joue au Sim. Ma copine m'a donné envie. Du coup, voilà. Du coup, je viens pour vous dire que j'ai terminé ma lecture vendredi. Oh, samedi matin? Non, vendredi. J'ai terminé vendredi. Samedi, j'ai pas lu. J'étais en balade, du coup, je n'ai pas lu. Du coup, je voulais vous faire un dernier point. Vous le retrouverez en point lecture, mais voilà. Du coup, c'est Eleanor Engrais. C'est Eleanor qui. Enfin, ils se sont connus très jeunes. On les suit pendant un moment. Il va se passer un décès. La maman de Grey va décéder. Voilà. Du coup, Grayson va l'aider à peu près. Voilà. Et à un moment, ils vont se séparer parce qu'elle, elle va déménager. Et du coup, ils vont se perdre de vue. Et quelques temps après, ils vont se retrouver parce qu'elle va devenir la babysitter de les enfants de Grey. Et lui vient de perdre sa femme, du coup, celle qui va l'aider cette fois-ci. J'ai beaucoup à adorer les personnages, l'intrigue, c'est ce qui se passe avec les enfants de Grey aussi, parce que ça. Comment dire, c'est vraiment ce qui arrive dans la vraie vie, parce que voilà. Les enfants qui prend ma qui voilà plein de choses, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Enfin, la plupart du temps, beaucoup de personnes l'ont déjà lu, mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous conseille. Je lui ai mis un 5 étoiles dans mon livre, je l'ai pas encore rentré sur BookNote et livre Addict. Du coup, je vais le faire ça maintenant et là, j'hésite si je joue ou pas. Et du coup, la prochaine lecture, ça va être que vous retrouverez dans le vlog de la semaine d'après. Ce sera 3, 365 jours de Blanca Linska. Je ne sais pas ce que son nom ça se dit. Chez Hugo dans la collection Nous Romans. Et du coup, je mis un marque-page, mais j'ai lu le. Ouais, vous avez ça. Et puis vous avez tout de suite le premier chapitre. J'ai lu la page là avant de partir samedi matin. C'est tout ce que j'ai lu. Du coup, voilà. Du coup, je pense lire ça. Je sais pas quelle heure il est là. 4h30. Si je joue jusqu'à 6h et que 6h, je me mets à lire. Ce serait une bonne idée. Je vais faire ça. Du coup, voilà. Voilà, je lis ça cette semaine. Voilà. Bon, j'espère que ça va. Oudi, commence pas bien se passer. Et Oudi! J'ai encore plein de trucs à faire pour vous. Je ne sais même pas si j'ai un truc pour lundi. Stop, je sais pas. Du coup, voilà. Et ce matin, j'étais au sport avec mon ami. Ça s'est bien passé. Je vais mettre les photos sur Insta tantôt. Je vais peut-être mettre un truc. Sport, ouais, sport, voilà, je sais pas, mais sport. Je sais pas comment l'intituler, la petite bulle, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et dimanche, ben, on a quoi? J'étais en France, monsieur a fait les courses, moi j'étais chez mon psy.
Puis on est revenu ici, on a déposé tout ce qui est courses. Qu'on a fait les. Après les. Enfin, on a déposé tout ce qui était congelé et charcuterie comme ça pouvait mal, pouvait pas mal. Dans l'auto, les bouteilles, tout ça, on a gardé. Voilà, et après, on a été manger au restaurant. Et le restaurant, je ne sais plus le nom, mais je sais pas le nom. Mais en fait, vous avez une table et vous avez le barbecue dans le milieu de la table. C'est des grandes tables, du coup. Et du coup, on a bien mangé. Enfin, moi, j'ai bien mangé. Monsieur, il n'a pas beaucoup mangé. Mais voilà. Comme d'hab, quoi. Il mange pas grand-chose pour le moment. Je sais pas ce qu'il a. Une petite dépression. Et j'ai monsieur le chat qui pète l'épaule. Je sais pas si vous allez le voir. C'est un peu le bordel, là. Il m'a fait tomber ma couette. Là. Que je la ramasse, il vient de passer entre mes jambes. Je sais pas si je l'ai attrapé. Kiki à doudou. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tout ça. Tout est gratuit et tout fait plaisir. Un petit pouce bleu. Et moi, sur ce, je vous laisse et on va commencer un nouveau vlog début de semaine, demain, qu'on est déjà dimanche. Ça va trop vite. Du coup, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.